Allez, salut à tous, c'est Jean Jarcaz sur The Quarry épisode 4. Donc là, je vais continuer la partie et je crois que c'est là où je vais me chier dessus. Je débile, on est au collège ou quoi? Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Chacun embrasse ce qu'il veut, c'est débile. Débile. Oh, génial, je suis où là? Dans les bois, dans le noir. Putain, mais sérieusement quoi. C'est le début de... J'aime pas ça, bordel. Intelligent, hein, de partir comme ça dans les bois. Ils sont vraiment cons, ces jeunes. Là, y'a rien à faire, là, non? Plein de bordel de merde. Oui, peut-être avancer, fait quelque chose. Cocotte. D'accord, un chemin là. Là, c'est pour retourner là-bas. Putain, mais sérieux, je passe le son dans mon casque là, c'est trop. What the fuck, putain. Allez, casse-toi, cours, toi, cours. Putain, on peut même pas croire. Attends, 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 attends. Nickel. Bah réponds. Nick! Abby? Recommence! Je suis par là! J'arrive! Nick! Salut. Oh. Salut. T'es parti? Et toi aussi? Je crois que ce jeu est allé un peu trop loin pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, ce qui s'est passé là-bas? Oh putain. Emma voulait vraiment rendre Jacob jaloux, hein. Tu crois? Clairement. Sinon, pourquoi elle m'aurait embrassé comme ça? C'est vrai. J'ai seulement joué le jeu. Ouais, c'est qu'un jeu, hein? Ouais. Putain de bordel de merde.
my god. On va voir. Non. 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 Cassez-vous plutôt. Ok, c'est tout. Non, il y a les deux autres aussi, non. Grogne doucement, qui dit. C'est encore un sanglier. Ça fait pas ce bruit. C'est un ours. Trop rapide. Bah t'as pas l'impression que c'est un peu dangereux là, non? Oh my god. Ah bah d'accord l'autre, cours. What the fuck, c'est quoi ça? Putain mais c'est quoi ce bordel? Là. Ah ouais, ça doit être le vieux et l'autre. C'était caché? Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Peut-être pas une bonne idée. Ah, fallait que je me baisse, putain. Bah cours. Mais elle est con. Ça s'arrête, mode. Putain. Là, je fais que de la merde. Hein. D'accord, j'attends qu'il y ait les flèches. Ok. C'est quoi ce truc là? Ding. Je fais que de la taube. Voilà, t'es morte. Putain, ils vont tous crever avec moi. Je crois que ça va recommencer. Non. C'est un jeu marrant. Allez, à votre tour. J'ai entendu chialer. Vous avez pas entendu des coups de feu par hasard? Non. Des cris, je sais pas. Normal quoi. Bon encore, après l'espèce de bestiole là, c'est pas trop flippant, mais c'est... C'est quand tu te fais surprendre quoi. Quand t'as des bruits chelous derrière là. J'aime pas ça. Ah ça y est. Non. Je jette des cailloux dans l'eau. Il
faut bosser ta technique. Bon, ben, on dirait que t'as réussi à me trouver. Bien sûr. C'était plus marrant de venir ici en douce quand on avait peur de se faire choper, hein. Ouais, t'as raison. Jacob, je croyais qu'on était d'accord. Ça, nous deux, c'était juste pour s'amuser pendant les vacances. Ouais, non, je sais. C'est juste que... C'est juste que t'adores te donner en spectacle. Oh, Jacob. Sérieux, quoi. J'arrive pas à croire que tu lui aies roulé une pelle. Et en plus, devant tout le monde. Putain de merde, Emma. T'as quel âge, 12 ans? Non, mais Nick, oui. Enfin... Tu sais que j'adore ce mec, mais je crois pas qu'il ait déjà vu une nana à poil. Je suis désolée de te dire ça, mais j'ai eu sa langue au fond de la gorge et je peux te dire qu'il sait comment s'en servir. T'adores ça me prendre pour un con, hein? Arrête de faire la gueule, s'il te plaît. La soirée était pas censée se passer comme ça. Quoi? Écoute, c'est pas grave. Non. Laisse tomber. Okay. Je vais aller dans les bois. Tu peux rester là à bouder et à t'énerver en imaginant la langue de Nick dans ma bouche. Ah, s'il te plaît. Ou tu peux aller nous chercher des serviettes. Pourquoi tu veux des serviettes? Bah, on avait dit juste pendant l'été. Et devine quoi? L'été n'est pas encore terminé. Ok. Ça va lui coûter cher les serviettes. Hein. Ben, ça dépend où on va les chercher, mais. Non, mais dis pas qu'il y en a dans l'eau aussi. What? Ah non, c'était. Putain. C'est qui lui là? Putain. On va essayer de regarder par tiens, notre carte. Désolé si la caméra bouge trop là, je vais essayer de pas trop donner la gerbe parce que. C'est assez mal foutu leur truc. C'est pas très vieux. C'était peut-être pas loin. C'était là. En fait. C'est ça à cause toujours. Chaquette et taquette. Ah, Chaquette doit être Monsieur H. Crie Saquette. Mais qui est Taquette? Il monte là-haut, là. Hein. Je vais acheter des serviettes, là. On voit rien, c'est mal foutu là. Oh, c'est pas vrai. Y a pas de serviette. Aucune? Non, j'ai compté, y en a zéro. Connard. Oh, non mais sérieux. Jacob, reviens par ici, tu veux? Hmm.
C'est quoi ces chiffres ? Ah ouais, carrément. Ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est peut-être là, je sais pas. Ah, la lenteur du jeu, quoi. Pas une touche pour courir, hein, putain. Juste ça, mais... Ça avance pas non plus des masses, quoi. Ok, bon, on pourrait peut-être se... laisser sécher. Ou alors se secouer comme des chiens. Waouh, toi, tu sais comment parler aux filles, pas vrai? Écoute, arrête de faire comme si c'était rien passé. Oh, mais si je peux, parce que... Regarde, à l'aide, au secours, je me noie et j'ai besoin d'un homme grand, fort et extrêmement sûr de lui pour venir me sauver. Comment ? Que vois-je ? Une demoiselle en détresse ? N'ayez crainte, jeune fille, parce que Super Jacob est là ! Je fais la bombe ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Froid, froid ! Oh, c'est froid ! Oh ! Super Jacob ? Ah, ok. Ok, je vais te faire payer ça. Tiens. Arrête ça! Hé, arrête. Arrête de faire la gueule. À l'attaque! Ah, hey. Juste un cadavre dans l'eau, quoi. Quel con. Je veux pas que ça s'arrête. J'aimerais bien rester ici tout l'été, mais je crois qu'on aurait la peau toute fripée. Non, tu sais ce que je veux dire. Je parle de nous. Jacob, j'ai passé un super été avec toi. Ça pourrait continuer après l'été. Jacob. Ok, écoute ça. Si j'arrive à faire un salto arrière, à partir de là, je pourrais venir te voir, ok? T'en dis quoi? Attends. Hé! Où tu vas? Reviens! Ok. Oh merde, le doigt d'allumeur. Oh putain, quelle merde. Emma ! Jacob, je suis là ! T'as entendu ? Quoi ? J'ai entendu comme un cri. Et on aurait dit Abby, mais c'était pas du tout un cri de joie. Je t'entends pas ! Écoute,
Bouge pas d'ici! Je vais aller voir ce qui se passe! Quoi? T'es sérieux? What? Sérieux, Kathleen, t'as foutu un sacré bordel, je dois dire. Ou peut-être que j'ai donné un coup de pouce à Abby. T'es un génie du mal. Qui va faire le premier pas, à ton avis? Nick ou Abby? Oh, bonne question. Je dirais aucun des deux. Je sais pas, Nick a une bête en lui. Si par bête, tu veux dire un fan tout mignon et timide? Te laisse pas avoir par son style de bourge bien sage. Il a des abdos en acier trempé sous son t-shirt. Alors t'as remarqué aussi, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue de jouer. Quoi? Rien que tous les trois? Ok, Dylan. Action ou... C'était pas Abby? Oh mon dieu. Il faut qu'on l'aide. Ça venait d'où, ce bruit? Par là. Viens. Bah bien sûr, faut qu'il y en ait un qui reste seul, quoi. Abby! À l'aide! Pitié! Nick! Aidez-le! Où est Nick? Va chercher Nick! Vite! Ok. Faut y aller au bout d'un moment, garçon. T'as un fusil dans les mains en plus. Faut que tu fasses gaffe, ce fusil a une dispersion de malade. Oh, le décalage entre le son et. Vivement le patch, hein. Ok, donc le Nick là, il doit pas être mort. Prends ton fusil dans les mains, peut-être. Ok. Continue. Oh, mais non, putain, mais quel trou du fiac, je te jure, celui-là. Incroyable. Capable de diriger une touche, quoi, on est sérieux. Oh non, il est pas mort. Lâchez-le tout de suite, putain! Arrêtez, arrêtez! Où je tire?
Carrément. Mais il t'arrive quoi? Quoi son problème? Ah, peut-être l'infection, je sais pas. Ah, du... Oh putain, ils ont encore un truc d'infection tout ça. Oh putain de merde, chier. Vite, faut qu'on... Tu peux marcher? Je peux... Allez, cours. Je te ramène au feu de camp. Ding. Stop, on va se taper la vieille là, non? Non. Quel con, quel con, quel con. Ah oui, il y a cette scène, hein, putain. Putain. Oui, là t'es con. Hein. Ouais, tout ça, c'est de sa faute, hein. Il y a une meuf presque à poil qui m'attend là-bas, qu'est-ce que je fous? Bah tu vas aider les amis. Je sais pas. Ça c'est le sanglier ça. Ok. Mais bah, non, lui non. Eh oh! Abby? Eh oh! Regarde où tu vas, putain! Ah, tes conneries! Vous êtes qui, putain? Allez vous faire foutre, enfoiré! Tu veux pas parler des gens comme ça? Il est devant toi, t'es attaché? Oh mais putain, merde, mais qu'est-ce que vous foutez? J'ai pas tout pigé là, mais bon. Le temps est passé tellement vite depuis votre dernière visite. Bien. Alors, qu'avons-nous là? T'as une tête, ma pauvre. C'est l'étoile. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir, ou un rappel de votre insignifiance,
La crainte du tourment. Croyez-en la lumière des étoiles, car elles apportent la clarté. Et parfois une preuve. La maison Dieu. Échapper à vos problèmes. Fuir ou combattre. Telle est la question que nous nous posons tous, mais... Bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Chaque pas. Peut-être votre dernier. Souvenez-vous. La vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous montre ? Oui, bien. Mais je ne peux hélas me plonger que dans un seul des futurs possibles. Alors lequel ? Choisissez. Bien. Allez, partez. Retournez à Hackett's Quarry. Reprenez la route de Hackett's Quarry. Vous allez bien vous amuser. Bon, les gens, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, ciao, ciao.